details about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. I couldn't see where you coming from, but I knew just what you running from. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net. C'est un blog très sympathique que j'aime bien, je vous invite à aller dessus. Donc nouvelle émission, Review Comics, numéro, voilà, émission dédiée au quatrième numéro de Lobster Johnson's Boring End, la main qui brûle en français, dont voici la regular cover, parce que oui, il y a une variante cover, attention, je vous la montre après, suspense. Donc, regular cover, dessinée par Dave Johnson, l'intérieur, oui, un petit tour du propriétaire comme d'hab, l'intérieur c'est écrit par Mike Mignola et John Arcudi, c'est dessiné avec plein de super crayons par Townsend's Own Itch, et c'est colorisé avec plein de pareils de crayons de couleur. Par Dave Stewart, comme d'hab. Et donc voilà la couverture. Donc, alors qu'est-ce que ça nous promet? Ça nous promet un avion, des flammes, un avion qui est imperméable au feu. Ça nous promet un Lobster Johnson qui prend feu et qui a du feu dans les yeux et qui hurle parce qu'il est pas content. Donc, alors, est-ce que va y avoir tout ça à l'intérieur? On va le voir dans 2 minutes parce que là, je vais enchaîner par la variante cover, la Year of Monsters. Cover du mois de, non si je mets, non ça va pas le faire, du mois de avril en français, donc c'est la quatrième Year of Monsters cover de l'année 2012, donc la deuxième dédiée à Lobster Johnson, donc la première c'était celle du mois de janvier, c'était celle qui ouvrait le bal si je puis dire, et la première mettait donc en scène Lobster Johnson face à la terrible momie, une vilaine momie égyptienne pleine de bandelettes et de colère. Et donc celle-ci, donc la quatrième, met en avant Lobster Johnson qui sent le danger venir dans son dos. Et il fait bien de se retourner, le petit bonhomme, parce qu'il a tout simplement affaire au terrible loup-garou. Aouh! Donc alors, qu'est-ce que ça nous donne à l'intérieur du comics? Est-ce que c'est bien? À quoi ressemble le début de la fin? Parce que oui, c'est le quatrième sur cinq, et donc voilà, on entame, on est sur la dernière ligne droite. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par la preview lâchée par Dark Horse, et que j'ai récupérée sur le blog peu de temps après. C'est-à-dire, donc, on en était resté sur l'explosion survenue dans le bâtiment dans lequel était caché la journaliste et Théo, si je dis pas de bêtises, un des gus de Lobster Johnson. Suite à quoi, donc, boum, on déboule dans la Lobster Cave. Donc voilà, on va faire comme ça. On déboule donc dans la Lobster Cave, on voit donc une explosion. Donc on fait sauter la porte de la Lobster Johnson Cave. Et Boss Mob, donc le mafieux la mini-série, voilà, ça y est, j'y arrive. The Burning End, donc déboule dans la place et nous la joue Tony Montana, l'enfoiré, il a pas peur des références. Alors c'est d'ailleurs marrant. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Je n'en sais strictement rien. Il faudra demander au dessinateur, puisque c'était dans le deuxième, je crois, ou troisième numéro, je sais plus, de Lobster Johnson, dans la vidéo où je vous avais fait en fait le lien entre, non c'était à la fin du premier, entre un mafieux qui avait une tête de Scarface, mais pas le Scarface de Palma, le Scarface de Hawke, c'est-à-dire le premier film, puisque oui, Scarface de Palma, Oliver Stone et Pacino est un remake d'un vieux film des années 30, si je dis pas de bêtises, intitulé Scarface, et donc ce bonhomme-là, pour moi, faisait écho au Scarface, je trouvais que c'est un joli petit clin d'œil, et là, carrément, on a carrément droit à, pour moi en tout cas, un hommage, on va dire comme ça, via en fait la pose du bonhomme, l'arme dans les mains, et vu ce qui nous sort comme réplique, c'était quoi déjà que je vous la fasse vraiment bien? You clowns thought you could fucking with me? You thought you could hide?
Donc, entre guillemets, vous, bande de clous, vous pensiez que vous pouviez m'en faire à l'envers, hein? Donc là, on peut lui imaginer un accent cubain, ça irait parfaitement. Donc, c'est sympa, le premier numéro, bah, hommage à la version des années 30, et le quatrième numéro, hommage, bien sûr, à la scène ultra culte finale. Tu veux un flag case? Ok. Après, on va y aller. Come on. Ok. Tu veux play rough? Ok. Uno. Say hello to my little friend! Donc on tourne la page, voilà. Et bah voilà, bah suite, voilà, bon, grosso modo, les mecs foutent le bordel, ils continuent à faire sauter les pièces de Lobster Johnson Cave. À ce moment-là, Lobster Johnson déboule et nous sort son cultissime Feel the Claw sans la pince du homard, bien là que je te fous 4 balles dans le buffet, espèce d'enfoiré. Donc il commence à dézinguer les gars qui sont rentrés chez lui visiter sans taper à la porte, c'est pas très très sympa. Là, Boss Mob se prend une balle dans, dans l'épaule, et puis bon, bah voilà, hein, c'est un grand vilain, il le montre. Il se met à gueuler comme une petite fille et à courir pour se barrer, pour se mettre à l'abri. Et il laisse ses gugus derrière lui, bah, qui vont tous se faire dessouder un par un, parce que Lobster Johnson, on ne lui met pas à l'envers aussi facilement. Donc, et à ce moment-là, tadadam, voilà qui déboule la Black Flame, The Black Flame, la flamme noire. J'ai fait un mix de version française et anglaise, c'est horrible. Donc The Black Flame déboule, bah voilà, il déboule, hein, tout le monde s'est fait tuer, il arrive après que tout le monde soit mort. C'est pas très gentil, dans son repère. Et on revient à ce moment-là, tac, et on tourne la page, on pourrait dire, ouh, on va continuer sur la lancée de la flamme noire. Non, 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 on revient donc sur la scène de l'explosion, et comme on s'en doutait, forcément, la journaliste était barrée, donc il n'y a que Théo qui est mort. On devine à ce moment-là que lui, il est mort par contre. Donc la journaliste revient sur les lieux donc, de l'attentat, on va dire, de l'explosion, et tombe sur le sosie, comme j'avais dit dans la troisième vidéo de Peter Lorre, qui à ce moment-là on se dit voilà, c'est lui qui a commandité l'explosion, c'est pas très très gentil. Donc elle voit le bonhomme se tirer en taxi, et là comme dans tout bon vieux polar américain des années 30, 40, 50, elle monte dans un taxi et demande au chauffeur de suivre l'individu susnommé plus haut. Et le mec lui fait non, non, mais ça va pas la tête avec l'explosion qu'il y a eu, les vitres de mon taxi ont tout explosé, j'ai l'oreille droite ou gauche, je sais plus ce qu'il dit, qui est à moitié crevé, j'ai les tympans qui bourdonnent, je prends pas le volant. Donc là elle sort un flingue que Théo lui avait donné, il me semble, si j'ai pas de bêtises, ou c'était Lobster Johnson qui avait donné le flingue. Et elle lui met donc sur la tête, elle lui fait monsieur, je vais demander de décoller, avec beaucoup de gentlemanerie à ce moment-là. Donc on revient dans la Lobster Cave, donc on reprend le combat là où il en était. Donc on voit notre ami garagiste sortir sa mitrailleuse et tirer sur la flamme noire. À ce moment-là, lui, téléportation ou télékinésie, il projette, lui, le pouvoir de la force, on va dire, il projette le gars contre un mur. À ce moment-là, regardez, c'est très sympa, puisqu'en fait, lorsqu'il tend le bras pour projeter le gars contre le mur, à ce moment-là, on voit des flammes sortir de l'espèce de canon, là, du véhicule blindé, derrière lequel est planqué notre homme, justement. Donc je trouve ça très sympa, ça apporte vraiment une dynamique au geste en fait, puisqu'il tend le bras pour expédier le gars contre un mur, et à ce moment-là on voit carrément donc, en fait, la force de la flamme noire matérialisée par un jet de flamme provenant du canon, des deux canons sur le véhicule. Je trouve ça très sympa, parce que ça visualise très très bien le mouvement énergétique, on va dire, de la flamme noire. Voilà, petit détail, j'ai trouvé ça très sympa, très très sympa. En tout cas, si ça sert à autre chose, j'ai pas trouvé à quoi ça pouvait bien servir. J'ai trouvé ça très sympa. Donc on tourne la page, et on voit donc un autre dégât de Lobster Johnson tenter d'éteindre. Tenter d'éteindre avec un tuyau et de l'eau, la flamme noire, ce qu'il dit à ce moment-là. Oui, bon bah, qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs? N'as-tu jamais pensé que combattre le feu avec le feu n'était rien d'autre que du business? Maintenant, tu dois faire avec de l'eau. Voilà, j'y dis. Concrètement, si c'est du feu, si je lui balance un seau dessus, bah ça devrait l'éteindre et puis bah, il devrait mourir le bonhomme. Bah non, parce que c'est pas des flammes-flammes, c'est de la flamme magique. Donc, on voit là, on revient sur Boss Mob qui tente de se tirer, qui va voir... comment elle s'appelle déjà cette nénette? J'ai oublié son prénom, c'est vraiment horrible, il faudrait que je me décide à préparer mes vidéos un jour, ce serait beaucoup plus simple. Et surtout, elle serait vraiment pourrie mes vidéos. Bref, il tente de se tirer, il tombe sur la compagne de la flamme noire, ou en tout cas sur son partenaire, qui l'empêche de se barrer, puisqu'elle lui fait la remarque très intelligente. C'est toi qui as insisté pour venir, c'est toi qui nous a appelé, c'est toi qui nous a demandé de tuer Lobster Johnson qui, on va dire, perturbait ton business. Tu nous as demandé d'aller le dégommer, tu as insisté pour qu'on venir avec nous alors qu'on te l'a déconseillé, t'es là, maintenant tu restes. Bah, elle a bien raison, c'est voilà, c'est une femme qui a du caractère, j'aime ça, elle a bien raison, faut pas déconner. Là, on revient dans la Lobster Cave, alors attention, double page absolument, mais collector, si un jour, on sait jamais, hein, si Tansy Zonich passe par là,
Et si il a envie de me vendre ces deux planches, il n'y a pas de souci, je lui achète tout de suite. Par contre, j'espère qu'il prend les tickets restaurants parce que bon, je suis voilà, je suis un peu sec, je suis un peu pauvre. Donc voilà, si tu prends les tickets resto, je t'en donne deux sans problème, un par page, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, tu vas te régaler avec ça, à ma santé. Donc regardez, ces deux pages, elles sont magnifiques. Donc on démarre sur un gros plan sur la flamme noire, donc on voit l'eau, la fumée se dissiper. Vraiment très cinéma, c'est vraiment génial, c'est très dynamique, c'est excellent. Donc on voit la flamme noire, regardez le gars qui lui a balancé de l'eau sur le visage. Donc on devine à ce moment-là que c'était inefficace. Donc on voit la flamme noire le regarder et se dire à ce moment-là, toi tu vas morfler mon bonhomme. Eh ben non, juste derrière, survient le héros Lobster Johnson qui fait à la flamme noire tout ce que tu vas trouver ici. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait Triumph eludes you arsonist. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mon anglais est trop pathétique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il lui dit un truc, voilà. Triumph eludes you arsonist. Si tu regardes la vidéo, si tu parles anglais, dis-moi dans les commentaires ce que ça veut dire, parce que là, j'en sais rien. Bref, il lui dit un truc du style, tu vas morfler enfoiré. Il saute, s'accroche à un crochet qui est lui-même accroché à une chaîne. Et d'ailleurs, on entend bien le bruit du mouvement de la chaîne. Ching, 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 ching. Saute de l'autre côté de la flamme noire, tombe par terre. Et là, regardez bien la bâche, la fameuse bâche. J'avais fait un article il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était suite au deuxième ou au troisième numéro de Lobster Johnson. Puisque Dark Horse avait balancé via sa page Facebook, en fait, les plans que Dauncey Zornich avait dessiné de la Lobster Cave en vue de, bah voilà, tout simplement d'installer une scène d'action à l'intérieur. Il avait carrément fait des plans de la cave et je vous avais dit que pour moi la bâche cachait, devait sûrement cacher un objet important et capital pour la suite des aventures de Lobster Johnson, The Burning End, puisque c'était même dans le deuxième ou dans le troisième numéro, on voyait la journaliste et Lobster Johnson passer devant et il y avait vraiment un plan large qui était fait de cette bâche, l'air de dire regardez bien la bâche, elle est là et elle va servir à quelque chose plus tard. Et ben voilà à quoi elle sert. Donc Lobster Johnson tombe à côté de la bâche, soulève la bâche et qu'est-ce qu'il y avait dessous? Bah tout simplement un putain de canon anti-aérien, un truc de malade, vraiment Batman et sa Batcave, c'est vraiment une tentouse. Le mec, franchement, Batman a une Batmobile, il a un Batplane, il a un Batpod, il a tout ce que vous voulez, il a des super ordinateurs que même Steve Jobs il les a pas inventés. Mais Lobster Johnson, lui, il a un canon anti-char carrément rivé au sol. Regardez-moi ça, il est carrément accroché au sol, le machin. Vraiment installé là, en vue de servir, là, en vue de servir dans sa cave. Le mec, tu rentres chez lui, là, il te balance un canon anti-aérien dans la gueule. Et là, il balance un truc vraiment super stylé. Au moment où il tombe sur le sol, il fait la seule chose que tu trouveras ici ce soir, trois petits points. Il soulève la bâche et il fait « C'est la justice !» Et là, il enclenche le truc et bah un obus 350 dans la gueule. À mon avis, ça devrait calmer les ardeurs du bonhomme, c'est vraiment excellent. Bunny. Bubble. Donc on tourne la page et on tombe sur une magnifique pub de Pickens County Horror que je vous invite à acheter si vous n'avez pas fait. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, bah voilà, c'est le corps complètement carbonisé, sans vie, il n'y a même plus de flamme à ce moment-là, c'est juste Ghost Rider en mode... À ce moment-là, c'est Ghost Rider en mode défaite. La Black Flame, c'est juste incroyable. C'est vraiment excellent. Il n'y a pas une ligne de texte, si ce n'est le Black qui fait « Je pense que tu l'as eu. Je pense que c'est bon, ça y est, je pense qu'il a eu son compte. » Donc, on tourne la page sur la publicité et on tombe sur une autre publicité pour une série de Richard Corben. Je ne sais pas ce que ça donne, mais achetez-la et dites-moi ce que ça vaut. Voilà, petit commentaire sur la page. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, donc on revient sur Boss Mob et la compagne, en tout cas le partenaire de The Black Flame, qui se font la remarque tous les deux qu'il n'y a plus de bruit. Voilà, on a entendu un grand boom, mais il n'y a plus de bruit. Et là, à ce moment-là, la demoiselle se dit « Ah, à mon avis, mon partenaire, mon associé, mon cher et tendre a besoin de moi. » Et se met à entonner un chant que bah, nos amis à l'intérieur du hangar entendent. Tu dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de bruit et maintenant il y a du bruit. Qu'est-ce que c'est? On tourne la page et voilà, c'est difficile à décoller ces pages. On tourne les pages et voilà sur quoi on tombe. Le chant entonné par... j'ai oublié, c'est vraiment... Faut vraiment que je prépare mes vidéos, c'est vraiment n'importe quoi ce que je fais. La flamme noire se réveille, se lève et regardez, c'est vraiment pas mis en avant. C'est comme dans un film d'horreur en fait où il faudra vraiment avoir l'œil pour remarquer Michael Myers par exemple passer derrière Laurie Strode ou... Enfin c'est vraiment monté comme ça, ça m'a vraiment fait penser à quelques plans de Halloween, quelques mises en scène de Halloween, quelques idées de mise en scène pardon, de Halloween. On voit clairement le boogeyman se relever mais pas de façon flagrante, faut vraiment avoir l'œil, ce qui fait que ça appuie
encore plus sur l'aspect, on va dire, danger du truc et limite même surnaturel, puisque le mec se ressuscite, se réveille dans une discrétion totale. Et ça apporte son cachet, ça a vraiment beaucoup plus d'effet que de mettre une case, par exemple, une case sur la flamme noire, le montrer directement se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a vraiment plus d'impact comme ça, c'est très très bien foutu. Et ça m'a rappelé, ouais, bizarrement Halloween. On va pas chercher à comprendre pourquoi. Le chant réveille la flamme noire, fait cramer en même temps le manteau de l'Irlandais. La flamme noire donc marche vers nos bonhommes d'un air décidé. Il dit, tu m'as collé un obus dans la gueule, bon bah, moi je vais bien te défoncer la gueule. Donc regarde, c'est vraiment bien monté à ce moment-là, parce que même Lobster Johnson et son pote se disent on va mourir, ce que Lobster Johnson fait à son partenaire, c'est bon, tu peux y aller, je vais gérer le problème tout seul. Et lui il répond, de toute façon personne ne vit éternellement, faut bien qu'on meure un jour. Donc à ce moment-là, voilà, c'est tracé, même la dernière case de la planche lui montre clairement un gros plan sur la flamme noire qui tend la main devant eux, ils vont y passer, ils vont mourir. Eh ben non, parce qu'il reste un numéro, mais avant ça, avant qu'on se dise il reste encore genre 40 pages à lire. Voilà ce qui se passe, on devine hein, que Lobster Johnson, pardon, va pas se faire tuer aussi bêtement et facilement. Un véhicule carrément tamponné, mais vraiment mais tamponné à pleine puissance, la demoiselle, bah, qui décolle à 20 mètres, hein, et la flamme noire court, littéralement, on pense qu'il tombe, regardez le mouvement, on pense qu'il va tomber, en fait, non, carrément pas. Il court en direction de sa partenaire et voit la traînée de sang. Regardez, c'est vraiment pris un grand coup dans la gueule, la pauvre. Donc, voit la traînée de sang, se met à même pas à dire quelque chose. Et elle prononce Klein. Non, c'est pas son nom, je crois que c'est de l'allemand, Klein. Bref, il fait des... À ce moment-là, on sent perdre tout le peu de vie que la demoiselle avait réussi à insuffler au corps sans vie de la femme noire. Ce peu de vie commence à quitter le personnage de The Black Flame, et donc il tombe au sol aux côtés de sa promise. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il se met à rire, ce con. En plus de ça, il se met à se marrer. Regardez le truc, regardez comment c'est bien. Voilà, regardez comme c'est bien foutu. Voilà, il tombe à côté du corps et se met à se marrer, l'air de dire je prépare un truc. Peut-être qu'il prépare un truc. Il reste encore 32 pages de BD, parce que oui, la page d'après, c'est la dernière. Donc nos amis se disent merde, qui c'est qui a écrasé la demoiselle, c'est pas très sympa. Et là on voit Peter Lorre et la journaliste sortir du véhicule en disant ne vous inquiétez pas, ce n'est pas son idée, c'était la mienne. Et on termine donc sur une preview, parce que oui, ça sort la semaine prochaine, en tout cas au moment où je fais la vidéo, ça sort la semaine prochaine, de The Long Death numéro 3 par Duncan Fegredo, Scott Ali, non, je raconte moi, par Duncan Fegredo sur les couvertures, Dave Stewart sur les couleurs et surtout par James Harren à l'intérieur. Wouhou, j'ai hâte de lire ça. Donc voilà pour la fin de ce quatrième numéro de Lobster Johnson. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement avant que cette vidéo soit super longue et qu'on me le reproche. Bah, c'est sympa, même si il reste encore un numéro, donc il y a encore, je pense, sûrement plein de choses qui vont se passer, puisqu'on va pas juste mettre 32 pages d'épilogue, ce serait complètement con. Donc, à mon avis, il va encore se passer pas mal de petites choses, mais ce qu'on peut en dire, c'est que oui, effectivement, là, pour le coup, la flamme noire, on nous l'a quand même installé, on nous a installé le personnage de la flamme noire sur deux numéros, genre l'arrivée de la flamme noire, les débuts machiavéliques de la flamme noire sur deux numéros, avant de bien l'ancrer dans le troisième. Et dans le quatrième, la deuxième fois qu'il a affaire à Lobster Johnson, putain, je vais y arriver. La première fois, c'est dans le troisième numéro, c'était dans la rue, avant qu'un mec lui rentre dedans avec une voiture. Puis là, il se prend carrément un obus dans le quatrième. Donc ouais, ça peut peut-être paraître un petit peu comme ça, vite fait, torché, vraiment à la va-vite. Mais en fait, pas du tout, ça reste cohérent, ça reste dans la continuité du truc, où vraiment on installe l'univers, on installe un personnage. On installe carrément le Hellboy Universe qui va suivre avec l'arrivée de Hellboy dans le Hellboy Vert, c'est-à-dire fin 44. Je le rappelle, on est avant la Deuxième Guerre mondiale, on est avant le Hellboy Vert, on est avant tout ça. On installe vraiment ce qui va se passer
maintenant, concrètement. Donc voilà, donc non, vraiment, vraiment très très bon, même si bon, c'est vrai que ça pourrait peut-être en dérouter quelques-uns, je sais pas. Mais vraiment très très bon. Et surtout, je tiens à le rappeler, le personnage, j'ai oublié son prénom, c'est tragique, mais avec la coupe au bol, là, très mignonne, là, avec des pouvoirs et qui chante. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle, comme quoi je l'ai préparé un minimum. Bon, si sortir un volume de Delcourt, c'est préparer un minimum la vidéo. Non, c'est pas préparé. C'est juste sortir une BD. Ça me rappelle dans La Flamme Noire. Je vais essayer de vous retrouver la page en vitesse. Lorsque La Flamme Noire devient La Flamme Noire, c'est-à-dire entre le moment où en fait il a des flammes bleues, c'est-à-dire que concrètement parlant, il y a du gaz qui s'échappe de son casque qu'il fait cramer comme ça juste pour zigner du style, et le moment où il devient La Flamme Noire grâce. Voilà, c'est ici. Oh, quel timing. Grâce aux grenouilles, eh ben, regardez bien, parce que ça m'avait fait tilt à ce moment-là. Il devient... attends, est-ce que c'est ici? Oui, c'est ici. Il devient La Flamme Noire avec une grenouille qui se met, on va dire, pas à chanter, mais quasi tout comme à entonner des invocations, des... je sais pas, il est en train d'entonner quelque chose. Il fait une prière, il récite quelque chose, il se met à chanter, en même temps une grenouille qui chante, on sait pas trop à quoi ça doit ressembler. Mais voilà, concrètement, il y a un rituel qui se fait, il y a des paroles qui sont dites, il y a des mots qui sortent dans une certaine rythmique. Tout ça. Et bah, ça m'a rappelé la demoiselle qui voilà, se met à chanter pour réveiller la flamme noire. Et donc du coup, avec qui ça cogite là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bah, on pourrait se dire qu'en fait la flamme noire, c'est pas le méchant de l'histoire en fait, c'est elle. C'est-à-dire que la flamme noire n'est qu'une marionnette, puisque concrètement, là, a priori, c'est pas un casque hein, qu'il a sur la tête. Ce serait sa vraie tête, puisque rappelez-vous, dans le numéro précédent, lorsqu'il faisait cramer des SDF, il ne restait que la tête. Tout le corps avait disparu, sauf la tête. Et lui, c'est l'inverse. Il a un corps, mais il n'a pas de tête. Donc je pense que ça doit être son crâne. Je pense que par inversion du procédé mathématique Pythagore, Thalès et compagnie, je pense que c'est son vrai crâne. Et que bah, du coup, bah, en fait, la flamme noire n'est pas le méchant, le vilain de The Burning End, mais c'est carrément elle, en fait, qui dirige la flamme noire et qui lui fait faire ce qu'elle a envie qu'il fasse. À mon avis, c'est comme ça que ça se goupille, mais on verra réponse à ces interrogations dans le cinquième et dernier numéro de Lobster Johnson The Burning End. Et en attendant cette super vidéo, cette conclusion, bah moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo si vous voulez la regarder. Je vous dis rien si vous n'avez pas regardé. Et bah à la prochaine, voilà. Prenez soin de vous, faites pas les fous, allez sur le blog, à la prochaine, lisez du Mignola, vous verrez, c'est super. À la prochaine, ciao ciao, salut, ciao.